Bravo! Bravo! Ah! Bonjour à tous les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va à la recherche des champignons pour le cible bien sûr. Alors on apprend des choses différentes et autres, enfin, minimaliste, survivaliste pour savoir ce que la grande forêt. Donc on cherche les champignons. Donc on va aussi voir quels sont les types de champignons comestibles ou pas. Il y en a beaucoup donc on va tous les faire. Mais on va vous montrer au moins ce qui est tout simplement ce qui est comestible. Donc voilà. Allez, j'espère que ça va vous plaire. Suivez-moi, c'est parti. Putain! Bravo! Bravo! Ah! Ah putain! Ouh! Putain! Maintenant on va faire un feu. N'oublie pas de les filmer tous. Hein. Oui mais. Ah tous.
Moi, j'ai trouvé des cèpes. Et il y en a un autre qui est parti devant, il ne les a pas bu. Et ça tourne. C'est parce que je disais avant, il est capable de passer à côté de mes doigts. Et maintenant, il faut qu'il regarde ce qu'il fait. J'étais plutôt concentré de ce côté. Voilà, mec. Parce que j'en ai vu un là-bas, mais c'est pas un cèpe. Alors, ça fait quoi? C'est excitant. Ouh. Ah, maman, il est un. Juste en dessous. Tic-nan, bravo. Ça c'est tic-nan. Faut pas les ouvrir. C'est bon ? Attends, non, c'est pas bon. Faut que je prenne une photo. Hein. Mais oui, il est content. T'es content, alors. Avez-vous un commentaire à rajouter, Future Ops Perspective ? Tic-nan, ça c'est pas rien, ça c'est la vraie vie. Ah, il est où maintenant? Là. T'as vu, on les voit plus. T'as vu, on les voit plus. Là, je rappelle Jerry. Regarde bien. Sinon, tu peux nettoyer un peu le sable. Ouais. Je veux le nettoyer. Ouais. Ah, je te les pose là. Yeah. Ah. Prends la caméra. Tiens. Allez, filme un peu. Tu filmes un peu? Voilà. Ça tourne là ou quoi? Ça tourne. Oui. Il a marqué, il y a du temps qui défile. Ouais. On fait comme si on fait une pomme de terre en fait. Ouais. Ah. Ah. Nettoyer comme ça, c'est déjà fait. Si vous en avez 5 ans, au bout d'un moment, Bon ben, Il y en a encore? Ouais. Ouais. Ah ah. Bon, mais, au revoir, tic-tac. On met trois fois TikTok. Ça, c'est un savoir ancestral appris par les parents de ma chère Ekan. Ce qui est vraiment un très grand avantage. Et quand vous avez des connaissances comme ça, rien ne peut vous les enlever. Et c'est vraiment TikTok. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est vraiment génialissime. D'apprendre. La vie par la forêt, il n'y a pas meilleure école que ça en fait. Et voilà, vous pouvez couper si vous voulez. Là. Moi je n'ai nettoie rien à la maison. Ouais, ouais. Ah maintenant tu l'as cassé. Oh, c'est grave de peur. Vous voyez ma puce? Oh putain, bravo! Ah ma puce, super! En tout cas, elle va. Voilà. Waouh! Arrache-le. Allez, tu manques ma grosse sœur, voilà. Waouh! Et hey, il a même fait une repousse! Regarde! Et tout! Waouh! Nickel, piquant! Parce que moi, je te les envoie, tu pourras les envoyer à ta mère. Ouais, ça va. M'emmerder un peu. Vite comme. Alors là, il y a la recherche des chocs, mais puisque c'est la saison aussi. Souffle de 7.
Eh bien, châtaigne, je vous le recommande fortement. Là, il y en a. Et maintenant. Là, il y en a tout plein, là. Ouais. Ah. Ça pique. TikTok. 21 sur 20. Merci. Super. Ouais, il y a. Alors. Donc pour les champignons en général, pas quand en automne, quand il fait bien humide, pas trop froid non plus. Et quand trop froid et souvent dans les forêts comme ça, au bord des coins, enfin des espèces de crevasses comme ça, soit il y a des girolles, même plus en hauteur, en montagne, et des cèpes, voilà, je vous ai montré. Bon, c'est chouette, il y a des châtaignes, il y en a partout. Châtaignes, il y en a partout. Hein. Et donc, les champignons, c'est pas évident. Parce qu'il y en a de toutes sortes et de tout aspect. Là, on va retrouver à la limite tout mouche. J'ai bien retrouvé ça, moi, le champignon, mon commun. Hein, point blanc et rouge. Et en général, il y a des sept pas loin. Pas loin, alors on va voir l'œil, mais c'est pas toujours si évident. Il y a des champignons qui sont visibles souvent au lever du soleil. Enfin, disons, la clarté du lever du soleil fait on les voit mieux. Alors pourquoi pourquoi quand on voit les animaux. Animite tout mouche. Pourquoi il y a des cèpes? Alors là, ça je peux pas vous le dire. Mais voilà. Premier champignon. Alors c'est super chouette parce qu'on apprend tous les jours. C'est ces choses. Ces savoirs ancestraux. Que. Ah, ah bon, je vais voir. C'est ces savoirs ancestraux qui sont oubliés enfin, par des gens depuis beaucoup d'années maintenant. Voilà, les champignons, c'est naturel, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas en boîte. La nature. Voilà. La nature nous donne tout, absolument tout de ce que nous avons besoin. Et c'est ce qui est vraiment, vraiment. Le must, hein, au final, c'est ça on doit, c'est ça on doit vivre. Et là, c'est ça, voilà. Donc, l'économie aussi, il n'y a pas que vouloir être autonome, le survivaliste. Il y a beaucoup de savoirs ancestraux à connaître, à faire. Pour ça, il faut le faire, il faut bouger, et c'est vraiment quelque chose de super, de vraiment super cool, vraiment. Et j'ai vraiment content d'apprendre tout ça. Alors là, ce fameux cèpe, alors les cèpes, c'est vraiment là, on a trouvé des veaux, hein. Franchement, c'est des chouettes, hein. C'est des chouettes machins. Vraiment, vraiment. Non, mais vraiment content de la journée, c'est vraiment. On a appris quelque chose, maintenant on vous fera. Baladez-vous, profitez-en. Il y a encore un aussi, avant ces histoires de confinement, elle va arriver assez vite, hein, au final. Donc, pour la caméra, je m'excuse si c'est pas stable, on verra ça plus tard. Mais en tout cas, au moins vous avez pu voir une belle vidéo. Ça, c'est cool. Voilà, c'est stabilisateur de vidéo, ça sera bon pour plus tard.
Ceux-là, ceux-là, on est d'accord, hein. Ils sont spiff, on va dire. Pas tout à fait ça. Ils sont nuls, hein. Ouais. Il y a même des petits trous. Il y a même des petits trous. Regarde, c'est des grosses, regarde. Tiens, vas-y, on va se faire. Qui filme en même temps comme ça. Hein. Et voilà. Il y en a un qui est stiff. Et il y a une grosse ou deux super grosses. Alors, si je l'avais déjà. Ça, ça se mange, hein, c'est dit. Je peux faire de la farine avec, ça, du café. Il faut que j'achète un truc extrême, mais le et une machine à café en qui grain. Elle avait commencé comme ça la musique. Hein. Ah, c'est bien cher. Ouais. Hein, c'est la même, il est vendu 4 euros le kilo. Ouais. 4 euros le kilo. Ouais. Bah, c'est la main d'aller les chercher. Mais après, ça, il a eu peur. Hein, parce que j'étais seul. T'imagines s'il m'aurait fait quelque chose. Ouais. Elle a dit celui-là, non. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est Corona. Bon, et demain, bon. Non, mais c'était un vieux Tu sais, il fallait des sous pour aller par la shopping. Alors, il vendait châtaignes. Parce que la petite retraite, tu sais, ah ben oui, hein. Suffit pas alors. Il vendait châtaignes, une jolie madame. Hein. Hein? Parce qu'elle n'est pas, elle est pas moche, Katia, non, elle n'est pas moche, elle est comme ta fille. Hein? À la recherche de châtaigne. On va prendre l'arbre comme ça. On va faire de la farine avec les châtaignes. Et la farine de châtaigne, on l'avait fait comment? Pelé les châtaignes et après ça on a enlevé la première peau et après ça on les a coupées en petits morceaux et on les fait sécher et une fois qu'elles sont bien sèches on les moue soit avec un moulin à café ou bien alors avec un vieux hachoir de la grand-mère. Ah. Mais c'est très dur. Et les sécher, c'est... Il y a une technique mieux qu'une autre? Non, il faut les mettre sur un plat et les laisser sécher. Certains les mettent même au four, parce qu'il faut que ce soit dur, bien bien sec, pour pouvoir en faire de la farine. Et c'est pour ça qu'ils n'enlèvent pas la deuxième peau pour la farine, à cause de la couleur. D'accord, oui, bon, il y a une différence. Mais... Voilà. D'accord. C'est TikTok, ça. Et après la farine, vous l'utilisez pour tout. Tu peux l'utiliser pour faire des pâtisseries, c'est, une c'est ce, du pain, n'importe. Il n'y a pas de, c'est de, pas de gluten de dedans. Gluten. Ah, pas foie gras. Bah voilà. TikTok, on va faire du pain. C'est pour ceux qui ont une condition allergique au gluten. La farine avec, hein. Et tu peux l'utiliser aussi pour d'autres pâtisseries. Alors tu mets moitié farine de blé, moitié farine de châtaigne. Ça, c'est TikTok. Regarde les grands trucs qu'il a ramassé. Filme, filme. Ta main. Waouh.
C'est presque... En fait, c'est les trésors perdus de la nouvelle civilisation. Voilà, dans la vie, on peut être soit consommateur des choses qu'on achète, soit consommateur des choses qu'on va chercher en forêt. La nature, on nous donne absolument tout. Il faut juste savoir les chercher, vouloir les chercher et le faire. Alors, la technique, on va aller chacun une avec le pied parce que ça fait un peu mal au doigt. Et voilà. On peut y aller franco, hein, je pense. Quand tu les écrases. Alors, les amis, voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Non, les trésors de la nature, notamment les trésors de la forêt. Bon, c'est juste déjà le fait de savoir avoir des choses gratuitement, pas seulement, qui nous sont offertes par la nature. Et ça, c'est juste un réel bonheur. Et l'autonomie avance aussi comme ça, qu'on prend conscience que la nature nous donne les choses. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à appuyer sur la cloche. Mais voilà. Ceci est qu'on dit, voilà. Quand même prendre conscience qu'on peut faire des choses magnifiques jusqu'en avant, en forêt. Et voilà. Ça, c'est super. Voilà les amis, je vous laisse. Et dans la vie, il n'y a jamais de problème, il y a des solutions. Ciao.